Bonjour à tous, j'ai décidé de vous filmer une semaine complète pour vous montrer à quoi ressemble notre vie en fourgon aménagé quand on est en mode road trip. En ce moment, on est en train de visiter la Franche-Comté. Je vais vous montrer où c'est qu'on dort avec notre fourgon, comment on organise nos semaines, qu'est-ce qu'on fait de nos journées. J'essaye de vous montrer un maximum de choses. En plus de ça, j'ai prévu de vous filmer de magnifiques paysages en drone. C'est parti! Cette nuit, on a dormi sur ce petit parking en bord de route. On a super bien dormi. C'est une route qui n'est pas du tout passante pour la nuit, donc pas de problème avec ça. Et aujourd'hui, on va se faire une belle petite balade. On vous emmène voir les cascades du Hérisson. Surtout que ça fait à peu près 2-3 jours qu'il y a plein d'orages un peu de partout. Donc il devrait y avoir beaucoup d'eau. Ça va être super joli. On vient d'arriver sur le parking de la randonnée et le truc qu'il faut absolument penser à faire le matin, c'est de mettre la douche à l'avant sur le pare-brise si on veut pouvoir se doucher ce soir. C'est super parce que ces derniers jours, il y a eu pas mal de pluie grâce aux orages, donc il y a pas mal d'eau dans le Hérisson. Les cascades vont être magnifiques. Et en plus, on est au mois de juin. Et au mois de juin, c'est top parce qu'il fait beau, les journées sont longues. Et il n'y a pas encore assez de touristes pour que ça soit trop chiant de visiter les lieux touristiques comme ça. Là, les cascades du Hérisson, c'est le lieu le plus visité du Jura, je crois. Et on n'est pas trop nombreux, donc on peut vraiment en profiter. Allez, c'est parti! On est au bord du lac d'Ilet. On a pique-niqué là à midi. C'est vraiment un coin du Jura qu'il faut absolument visiter. C'est la région des lacs, c'est la région où il y a toutes les cascades aussi. On a passé pas mal de temps ici. Hier, on a fait le belvédère des quatre lacs. C'est une magnifique randonnée. Et puis là, c'est le moment du footing. Ça fait à peu près 2 mois qu'on essaye de courir 3 fois par semaine en même temps qu'on voyage. Et en fait, ça demande un petit peu d'organisation pour faire du sport en voyage. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire passer le voyage avant tout le reste. Mais ce qu'il y a de cool, c'est que voilà, il y a des fois, on arrive à trouver des super endroits comme celui-là pour courir. Et ça permet de découvrir le paysage autrement que juste bon, en se promenant, en allant se baigner, en faisant des pique-niques. Le fait de faire du sport comme ça, se trouver un super chemin de trail, voilà, ça fait vraiment du bien. Dernière petite balade de la journée, on est aux Pertes de Lain. Donc on va se balader là, je vais vous montrer parce que ça a l'air super joli. Et après on ira se trouver un endroit où se poser en fourgon pour la soirée et la nuit.
a trouvé un spot pour la nuit. On a remonté cet après-midi l'Ain jusqu'à sa source. C'était vraiment magnifique. J'espère que toutes ces images vous donneront l'envie de venir visiter le Jura, parce que c'est vraiment une région magnifique pour ceux qui aiment la nature. Donc là, on est au bord d'un petit étang. Il n'y a pas de bruit, à part les oiseaux qui chantent. Je pense qu'on va bien dormir. On a pu se faire un bon petit repas. On a sorti la douche, on a pu se doucher. Il fait super bon à cette époque. Et demain, on repart pour d'autres aventures. On est mercredi. Hier, comme tu l'as vu, on a profité d'une magnifique journée pour visiter des petits villages pittoresques du Jura. Donc le premier village que tu as vu dans la vidéo, c'était Baume-les-Messieurs. Magnifique. Il y a une route qui mène au bout d'une petite vallée avec un magnifique cirque, une belle cascade. Puis après, tu peux visiter Baume-les-Messieurs. C'est vraiment sympa. Et le deuxième village, c'était Château-Chalon. Comme tu as pu le voir, c'est un petit village perché au milieu des vignes. C'est très, très réputé pour leur vin. Donc c'était la journée d'hier et hier soir on a pris soin à se trouver un petit coin pour aujourd'hui très très tranquille, parce qu'aujourd'hui c'est la journée off, c'est la journée où on va pas trop bouger, où on va faire ce qu'on a à faire dans le fourgon et puis surtout qui va me permettre de travailler. Donc on s'est trouvé un petit emplacement sympa avec de l'ombre pour toute la journée, un endroit surtout qui soit calme pour faire des vidéos tranquillement, il y a une petite rivière à côté donc on est bien. Et moi comme tu le sais, voilà. J'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube pour gagner ma vie en voyageant. J'ai plusieurs façons de gagner ma vie en voyageant, les saisons à l'école, YouTube. J'ai plusieurs chaînes YouTube sur lesquelles je publie régulièrement des vidéos, celle-ci et puis d'autres. Et ça demande donc de s'organiser, surtout que c'est un vrai challenge pour moi, parce que peut-être que tu l'as vu, je ne suis pas un grand orateur, je ne suis pas non plus un grand filmmaker, ce qui fait que voilà. Ça demande déjà de sortir de sa zone de confort. Après, moi, je me dis que vu que je ne suis pas un grand orateur, vu que je ne suis pas un grand filmmaker, et ben, ce que j'essaie de faire, c'est de rendre un contenu le plus authentique possible pour montrer c'est quoi la vie en fourgon aménagé de façon authentique. Après, j'ai vraiment énormément de respect et d'admiration pour les personnes qui sortent des vidéos qui nous font et qui vous font rêver, j'imagine. Même si des fois, ce n'est pas vraiment quelque chose d'authentique, ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande énormément de boulot. Moi, il y a quelques années, j'ai fait le choix de ne pas mettre mon travail en priorité. Ma priorité dans la vie, ça va être mon couple déjà. Ensuite, ça va être le voyage. Mais le travail, ça vient après. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que mon travail vienne trop transformer mon voyage. Moi, je voyage et en plus, je fais des vidéos. Alors qu'il y a certaines personnes qui font des vidéos et qui vont voyager. C'est vraiment un tout. Et ça demande énormément de travail. Hein. Vous pouvez peut-être pas vous rendre compte, mais juste moi, le fait de faire des petites vidéos comme ça, bah, ça demande quelques minutes par jour, mais ça va déjà transformer un petit peu ta journée, parce que quand tu vas faire des choses et que tu dois les filmer, ça transforme un peu ta journée. Mais dans certaines vidéos, je vois juste des plans, il y a des plans à faire, je sais pas, des gens qui vont filmer avec leur drone, leur fourgon rouler, des gens qui vont faire des trucs comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, ça peut être une heure de travail pour juste un plan. Donc vraiment, un grand respect pour tous ces gens qui font des magnifiques vidéos pour vous faire rêver, pour vous donner envie de choisir ce mode de vie, la vie en fourgon aménagé. Moi, comme je l'ai dit, j'essaie de faire quelque chose de plus authentique, qui me correspond mieux. Et j'espère que ça vous donne aussi envie de vivre cette vie-là. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, petite journée tranquille. Et demain, on va aller à Dole. On va visiter le coin là-bas parce que demain soir à Dole, il y a
le marché des paysans, et normalement il y a le barbecue des paysans, donc ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Vous l'avez vu, hein, on aime bien voir vraiment les paysages, la nature, les petits villages pittoresques. On aime bien aussi goûter tous les produits locaux. C'est comme ça qu'on voyage et c'est comme ça qu'on prend plaisir à voyager. Comme vous l'avez vu, on s'est trouvé un super spot pour la nuit, vraiment au bord de l'eau. En plus, on a eu de la chance, il n'y avait personne. On a passé une super nuit, une super matinée ici. J'essaye de vous montrer depuis le début de cette vidéo les endroits où on dort. Et comme vous l'avez vu, on arrive à dormir aussi bien sur un petit parking au bord d'une route tranquille que voilà, sur un spot en pleine nature. On est souvent au bord de l'eau quand même. Et il y a souvent des gens qui se demandent comment on fait pour trouver des endroits où dormir en fourgon aménagé. Nous, on n'est pas à la recherche du meilleur spot parce que souvent, ça demande de tourner, faire des kilomètres, perdre du temps. Et puis souvent, quand tu es dans les meilleurs spots, il y a toujours du monde. Et puis nous, on préfère être tranquille dans un spot un peu moyen qu'avec plein de gens dans un super beau spot. Et c'est un peu comme à l'époque où on voyageait en sac à dos. Quand tu fais du camping sauvage, tu ne cherches pas forcément à trouver des spots où dormir, c'est plutôt avoir la capacité à dormir de partout. Et nous, c'est ce qu'on fait. On arrive assez facilement à trouver des petits endroits où dormir, là où on se trouve. Ça évite de faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver le meilleur spot. Pour ça, nous, on a quand même un avantage parce que notre Chronomaster, il passe de partout. Là, par exemple, sur ce spot, les camping-cars ne peuvent pas passer parce qu'à l'entrée, il y a deux pancartes. Et si tu es en camping-car, tu passes pas. Donc, les camping-cars sont garés plus loin et nous, on est tout seul ici. Donc c'est l'avantage d'avoir un véhicule qui n'est pas trop gros et puis qui reste aussi discret. Parce que partout où on va, nous, on n'attire pas trop l'attention. Et ça, c'est plutôt bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir faire une lessive à Dole. Et après, visiter la magnifique ville de Dole. Et surtout ce soir, aller voir le marché des paysans. Parce que ça a l'air sympa. De retour au même emplacement que ce matin. On a passé un bon moment ici, on va repasser la nuit là. On va profiter d'un bon coucher de soleil au bord de l'eau. On vient de se faire un petit bain, ça fait du bien. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas Dole et qui passeraient dans les environs, allez-y faire un tour, c'est vraiment cool. Et si vous y allez le jeudi, ils ont un concept super sympa. Il y a le marché des producteurs, au milieu de tout ça, il y a juste un gars qui est là, qui allume des feux, qui allume des barbecues, et puis toi tu viens avec soit les choses que tu as ramenées de ta maison, soit la viande, les légumes que tu as acheté sur place. Tu peux te servir du barbecue, tu laisses une pièce au mec, et puis c'est super sympa, tout le monde se retrouve autour du barbecue. Nous ça fait l'occasion de discuter avec des gens. Donc voilà, bonne petite soirée, les gars du Jura, c'est vraiment des bons. Côté négatif, je vous montre un petit peu l'envers du décor, regardez ça. On a quitté le spot ce matin, tout allait bien. Et voilà dans quel état on retrouve le coin. Voilà. Donc voilà, en espace d'une demi-journée, tu retrouves des canettes, des paquets de clubs, des mégots, du papier, des jeux à gratter. Ça, j'ai jamais compris. Les gens qui perdent aux jeux à gratter, je le jette par terre. C'est vraiment un truc de fou. Donc on ramassera ça avant de quitter l'emplacement. Mais c'est vraiment désespérant.
On est aux Cascades de Tuf, près d'Arbois, et c'est un endroit qu'on connaît déjà. Pour ceux qui nous suivaient déjà à l'époque, on voyageait en sac à dos, on avait fait une vidéo ici. À l'époque où on vivait en sac à dos, voilà, on était venu se poser là et on avait vécu là de nos pires moments de camping sauvage parce qu'il y avait eu une énorme tempête. Du coup, on avait abandonné la tente, on avait été se réfugier dans un bar un peu plus bas. Et je me souviens que la tempête avait arraché la terrasse du bar et nous on s'était dit mais quand on va remonter, la tente sera complètement foutue. Et en fin de compte, on avait une Uba Uba Onyx, une tente très très résistante au vent, et on était revenu et la tente n'avait pas bougé. Et c'est marrant, c'est que à l'époque, pour nous, le confort, c'était ça. Vu que, en fait, ça faisait plusieurs années qu'on voyageait en sac à dos et en tente, on se lavait avec un litre d'eau le soir ou bien une rivière. Le fait de trouver un bel endroit comme ça, plat, pour poser la tente, avec une rivière à côté pour pouvoir se faire une petite toilette, c'était ça, notre confort. Et il y a beaucoup de gens qui veulent vivre en van et qui ont peur du fait du manque de confort. Et pour nous, ça a été simple, parce que quand on passe d'une maison à un van, c'est clair que on peut perdre en confort. Sauf que nous, on est passé d'un sac à dos à un van. Et pour nous, le fait d'avoir un van, d'avoir toujours un toit sur la tête, d'avoir de quoi aller au WC, d'avoir de quoi se doucher, d'avoir de quoi faire à manger, d'avoir de quoi avoir plus de vêtements ou plus de matériel, ça a complètement changé notre vie. Et pour nous, bah, un van, c'est quelque chose de très très confortable. Regardez comme on est bien installé pour ce soir. On est en haut du mot poupée. Donc on a sorti les tables, les chaises, la cabine douche. Enfin voilà, toute option, on est bien installé. On s'est fait un bon petit repas avec les produits du coin. Et là, on va aller finir la soirée à regarder un coucher de soleil sur la vallée. Parce que d'où on est, normalement, il y a un joli point de vue. Ce dernier jour, je vous amène à la tourbière de Frasne. Donc on est parti pour une randonnée d'une dizaine de kilomètres ce matin. On marche au bord des lacs, sur des passerelles au-dessus de la tourbière, dans les bois. Donc c'est vraiment un endroit magnifique. On a dormi sur un petit parking pas très loin d'ici. Hier, je vous ai pas trop filmé la journée. On a été voir les cascades, enfin la source du Lison. C'est un endroit magique, hein. Il y a une énorme grotte de laquelle jaillit une source. A priori, c'est une source qui est naturellement fluorescente l'hiver. Personnellement, j'ai jamais vu ça avant. Et puis après, il y a une magnifique cascade. C'était super beau. Et le soir, on a visité la saline à Saint-Lin-les-Bains. Et c'est une saline qui est encore en état de fonctionnement. Du coup, ils font du sel, ils extraient du sel de sous terre. Et c'était intéressant parce que c'était une soirée un peu spéciale. Il y avait une petite découverte de ce qu'est l'UNESCO, parce que c'est un bâtiment qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et le soir, il y avait toute une petite dégustation découverte dans la saline. Et le soir, il y avait un petit pique-nique de prévu avec des produits du coin. Et ça a fait l'occasion de rencontrer du monde, de rencontrer des anciens qui connaissaient bien leur région, avec qui on a pu discuter. Donc on a passé une bonne soirée. Donc voilà, je voulais vous montrer notre mode de vie en fourgon aménagé. Après, vous avoir montré les parties de notre année où on travaille en tant que saisonnier agricole. Je voulais vous montrer aussi cette partie où on est plus sur les routes à voyager. Donc, vous l'avez vu, en une semaine, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de randonnées, on goûte beaucoup de produits régionaux, on fait des rencontres. Et ça va être comme ça pendant 3-4 mois. Donc on va bien profiter de tout ça. Et voilà, c'est ce qu'apporte la vie en fourgon aménagé, le fait d'avoir un mode de vie qui coûte pas cher. On n'a pas de loyer à payer, pas d'eau, pas tout ça. Je vais pas répéter ça parce que j'en parle assez dans mes vidéos, mais le fait d'avoir un mode de vie qui coûte pas cher, en fin de compte, on a beaucoup de temps devant nous pour pouvoir voyager, découvrir la France, découvrir d'autres pays, et ça permet comme ça de profiter de la vie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut.